Vous êtes assis confortablement avec le dos droit. Les épaules sont relâchées. Le menton est légèrement rentré afin d'étirer la nuque. Détendez votre corps et laissez toutes les tensions se dissoudre et se dissiper. Pendant quelques minutes, calmez et stabilisez votre esprit en utilisant la méditation sur le souffle et en comptant vos respirations, par exemple. Quand votre esprit est calme et stabilisé dans le présent, engendrez une motivation altruiste positive en pensant par exemple ⁇ Puisse cette méditation m'apporter à moi et aux autres, au monde entier, une plus grande paix Que cette méditation puisse me rapprocher de l'éveil afin que je sois à même d'aider tous les êtres à également atteindre l'éveil. Réfléchissez sur le fait que la nature de votre esprit est claire et pure et a le potentiel d'atteindre l'éveil, cet état de complète pureté, d'excellence et de perfection. Cela est vrai pour vous et pour tous les êtres. Vous pouvez penser, par exemple, ⁇ La nature de l'esprit de chaque être est claire comme l'espace, vaste et illimitée. Nos pensées et nos émotions négatives ne sont pas des parties permanentes et immuables de l'esprit, mais transitoires, comme les nuages qui passent dans le ciel. ⁇ Comme elles sont fondées sur l'ignorance et des idées fausses, on peut les éliminer et l'esprit peut être développé jusqu'à un état entièrement pur et positif. Sinon, s'il est difficile pour vous d'accepter que l'esprit a le potentiel d'atteindre l'éveil, vous pouvez penser aux qualités que vous avez telles que l'intelligence, la bonté, la compassion, la générosité, le courage et bien d'autres, et vous rappelez que ces dernières peuvent être développées davantage encore et que vous pouvez utiliser votre vie pour apporter bonheur et bienfaits à autrui. Prenez un moment pour contempler cela, et ressentez de la joie par rapport à ce potentiel qui repose en vous. Bien que tous les êtres aient le potentiel de transformer leur esprit et d'atteindre l'éveil, tous les êtres ne sont pas dans la situation la plus idéale qui leur permette de reconnaître et développer ce potentiel. En général, ce sont les êtres humains qui se trouvent dans la meilleure situation. Les non-humains ont trop de souffrances ou sont incapables de développer leur potentiel à cause de l'ignorance et d'autres émotions perturbatrices. Imaginez ce que cela serait que d'être un animal, par exemple. Les animaux sauvages n'ont personne pour s'occuper d'eux lorsqu'ils ont faim. Soif. Chaud ou froid, lorsqu'ils contractent des maladies ou sont blessés et qu'ils craignent presque constamment pour leur vie. Les animaux domestiques se trouvent parfois dans une meilleure situation, mais manquent de liberté et beaucoup sont tués pour la viande, la fourrure ou d'autres produits. Et tous les animaux, même les plus intelligents, ont des capacités mentales extrêmement limitées et sont incapables de se développer intellectuellement ou spirituellement. Réfléchissez à cela pour ressentir la chance que vous avez d'avoir une vie humaine. Toutefois, tous les êtres humains n'ont pas les bonnes conditions pour reconnaître et développer leur potentiel. Imaginez, par exemple, être un mendiant ou vivre dans une zone de guerre. La plus grande partie de votre temps et de votre énergie serait utilisée simplement à essayer de vous maintenir en vie, vous et votre famille vous n'auriez que peu ou pas de temps pour penser à autre chose, comme une pratique spirituelle. Imaginez ce que ce serait de souffrir d'un grave handicap mental, ou d'une maladie qui vous empêche de bien comprendre les enseignements sur le potentiel de l'esprit et la manière de le développer. ou encore d'être dans un état physique qui vous occasionne beaucoup de douleur, d'inconfort, vous dérange et vous empêche d'étudier et de pratiquer des enseignements spirituels. Certaines personnes n'ont pas accès aux enseignements spirituels qui expliquent le potentiel de l'esprit et la manière de le développer. Imaginez ce que ce serait de passer votre vie tout entière dans un petit village isolé, où personne n'aurait jamais entendu parler de l'éveil. Il n'y aurait donc aucun moyen d'apprendre comment faire pour l'atteindre. D'autres personnes encore sont peut-être conscientes de leur potentiel et souhaitent sincèrement pratiquer les enseignements sur la manière de le développer, mais les autres les en empêchent. Par exemple, dans certains pays, les gens n'ont pas de liberté religieuse. Certains se trouvent face à de fortes objections de la part de leurs parents, de leur époux ou épouse ou de leurs enfants. Imaginez-vous dans une telle situation. Reconnaissez à quel point cela serait difficile et appréciez la liberté que vous avez. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui sont en bonne santé physique et mentale, qui ont une situation matérielle aisée, et qui ont la liberté et la possibilité de recevoir des enseignements spirituels, mais qui ne sont tout simplement pas intéressés. Leurs centres d'intérêt sont ailleurs. Accumuler de la richesse et des biens, acquérir toutes sortes de compétences ou de connaissances, ou simplement ressentir autant de plaisir qu'il leur est possible. Ils ne prennent jamais en considération qu'ils ne pourront pas emmener avec eux toutes ces choses lorsqu'ils mourront, tout comme un rêve qui s'évanouit dès que l'on se réveille, et que seul leur esprit continuera vers la vie prochaine. Certaines personnes s'engagent dans des actions négatives telles que tuer, voler, commettre des abus ou être malhonnêtes, sans réaliser que ces actions entraînent de la souffrance pour eux-mêmes et pour les autres, et créent encore plus d'obstacles à la découverte de leur véritable potentiel. Reconnaissez la chance que vous avez d'être intéressé par l'éveil et d'utiliser votre vie de manière utile et bénéfique pour vous et pour les autres. Maintenant, ramenez à l'esprit toutes les qualités et les avantages que vous avez. Vous êtes un être humain doté d'un esprit intelligent, d'un bon cœur et d'un corps que vous pouvez utiliser à bon escient. Il y a des gens qui vous soutiennent et prennent soin de vous, de la famille, des amis. Un maître spirituel. Vous avez la possibilité de poursuivre vos centres d'intérêt sur le plan créatif, intellectuel et social. Vous bénéficiez d'un bon niveau de vie. Du moins, vous avez ce qu'il vous faut pour rester en vie. Et par-dessus tout, vous avez le potentiel et la possibilité, grâce à tous les autres avantages, d'examiner, de comprendre et de transformer votre esprit. Même si votre vie ne vous permet pas autant de liberté et de confort que vous aimeriez en avoir, et même si vous devez affronter de grandes difficultés et traverser des épreuves, peu importe où vous en êtes et dans quelles conditions vous vivez, vous pouvez toujours travailler sur votre esprit. Pensez à présent que bien peu nombreuses sont les personnes ou les créatures sur Terre qui partagent cette liberté et cette chance avec vous. Après avoir bien réfléchi à cela, vous réaliserez alors à quel point une vie comme la vôtre est rare et précieuse. Appréciez vraiment votre chance. Une fois que vous avez mis en évidence les inconvénients que vous n'avez pas dans votre vie et les avantages dont vous bénéficiez, décidez de la manière d'utiliser au mieux ces précieuses possibilités. Pensez à toutes les perspectives qui s'offrent à vous. Travail, voyage, divertissement, études. Si vous désirez offrir vos services aux autres, il y a d'innombrables possibilités d'aider ceux qui sont moins fortunés que vous. Mais la chose la plus utile et la plus bénéfique à faire, pour vous et pour les autres, est de vous développer spirituellement, de surmonter les aspects négatifs de votre esprit d'en accroître les aspects positifs et d'accomplir votre potentiel d'éveil. Essayez de voir les limites d'un mode de vie axé uniquement sur le bien-être matériel. Pensez à quel point la gloire La richesse, la réputation ou le plaisir des sens sont insignifiants comparés à l'objectif de l'éveil. Pourquoi n'aspirer qu'à des réalisations temporelles alors que nous sommes capables de tellement plus Voyez si vous pouvez ressentir de la joie pour la situation merveilleuse dans laquelle vous êtes et l'apprécier. Décidez d'utiliser votre vie avec sagesse, à faire de votre mieux pour éviter de nuire à autrui et au contraire les aider autant que possible, et développez votre amour, votre compassion. Votre sagesse, ainsi que d'autres qualités qui vous permettront de réaliser votre potentiel le plus élevé. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur suprême et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés de la félicité, exempte de toute souffrance. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité, libérés de l'attachement qui les rapproche des uns et de la colère qui les éloigne des autres.